Un open space désert, comme abandonné en catastrophe. Ici, les 47 salariés sont en chômage partiel et les projets au point mort. Nous sommes pourtant dans l'un des fleurons de l'animation. De ce studio sortent des séries diffusées partout en Europe et même sur Netflix ou encore Cartoon Network. Aujourd'hui, ce chef d'entreprise a besoin d'1,5 million d'euros pour relancer la machine. Il demande un prêt garanti par l'État, un PGE. Mais pour l'instant, 2 banques sur 4 refusent de le suivre. Une entreprise qui a mis 10 ans à se créer, à exister au niveau international, peut encore être fragilisée par le soutien bancaire, même si l'État amène 90% de garantie. Ce qui fait que c'est des risques ridicules pour les banques. Et que même dans ces cas-là, certaines banques se permettent de ne pas les prendre. Des banques frileuses qui n'assument que 10% du risque. Pour la Banque de France, les refus de prêts sont pourtant minimes, 2,5% seulement des dossiers déposés. Dans la région des Hauts-de-France, on a distribué aujourd'hui des PGE à plus de 30 000 entreprises pour un montant de 5,7 milliards, ce qui est un montant absolument colossal. Et donc aujourd'hui, franchement, on pense que les banques sont vraiment mobilisées pour distribuer largement le PGE aux entreprises qui ont été atteintes par la crise du Covid. Comme plus d'un millier d'entreprises de la région, le studio Red Frog a demandé une médiation de la Banque de France pour débloquer sa situation. On privilégie vraiment des recettes que les enfants peuvent faire tout seuls. Donc le studio devait lancer 4 projets au printemps, ce sera à l'automne si les finances arrivent. Une centaine d'emplois directs sont en jeu, le triple d'emplois indirects.